Bonjour, je m'appelle Julie Gagnon et je suis bibliothécaire au Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île à Montréal. La littérature jeunesse est au cœur de ce projet-là, mais plus spécialement de le documentaire. Donc, on a bâti un projet autour de la collection de Les petits dégoûtants d'Élise Gravel. Puis ce projet-là a été vécu en classe et à la bibliothèque scolaire. J'ai beaucoup apprécié ma collaboration avec la bibliothécaire. D'une part, parce qu'elle est venue me sensibiliser à l'importance d'utiliser la bibliothèque, pas seulement comme un lieu de lecture libre, mais un endroit d'apprentissage où on va consulter les livres. En fait, c'est comme une extension de la classe, la bibliothèque. Mon rôle aussi, c'était beaucoup de soutenir l'enseignante pour lui suggérer des documentaires, des œuvres de littérature jeunesse. À la commission scolaire, moi, je suis responsable du dossier Biblius. C'est une nouvelle plateforme de prêt de livres numériques consacrée au milieu scolaire. Puis, mon centre de service scolaire est l'un des 17 milieux qui a été approché par le ministère pour participer à un projet de déploiement restreint de la plateforme. Le livre numérique, ça fait longtemps que c'était demandé en milieu scolaire, mais la gestion était plutôt difficile. Donc, le ministère a décidé de déployer cette plateforme de prêt de livres numériques-là. Mais ce qu'on voulait aussi démontrer dans le cadre de ce projet-là, c'est que c'est pas oui, il y a de la lecture loisir, mais comment on peut faire aussi des projets pédagogiques, comment le livre numérique peut être utilisé de façon pédagogique avec des élèves en classe. On nous a demandé d'expérimenter avec une enseignante dans une école primaire. Donc, une collaboration est née de cela. Moi, j'ai été amenée à collaborer avec une enseignante de troisième année et ses élèves, ainsi que deux conseillères pédagogiques, pour concevoir et planifier une activité pédagogique en lien avec l'utilisation du livre numérique sur Biblius. Moi, comme professionnelle, ça m'a apporté beaucoup. J'ai vu comment, lorsque quatre professionnels, enseignantes, deux conseillères pédagogiques et une bibliothécaire travaillent ensemble, ça pousse la réflexion plus loin. Tout le monde apportait son expertise. Moi, j'ai apporté mon petit clin d'œil par rapport à la bibliothèque, par rapport aux ressources. Les conseillers pédagogiques ont beaucoup appuyé au niveau d'utilisation d'outils plus technologiques, au niveau aussi de la PDA, au niveau des cadres, au niveau... L'enseignante, elle nous amenait beaucoup son input par rapport à ses élèves, puis à qu'est-ce qu'elle voulait voir au niveau de la réussite de ses élèves en classe. Puis moi, ça m'a donné la chance aussi d'être dans la classe souvent parce que dans ce projet-là, parce que j'ai pas toujours cette opportunité-là. J'ai trouvé ça vraiment agréable que mes élèves puissent la côtoyer. D'une part, pour comprendre bien, qu'est-ce que c'est être une bibliothécaire, c'est quoi ce métier-là, mais aussi pour pouvoir échanger avec elle et puis avoir des suggestions de livres. Donc, ça a été vraiment enrichissant pour tout le monde.